Donc là, j'ai juste. Il a dit. Mais je vais s'entendre plus. Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que je suis quand même présentable. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Ah, les amis. Bref, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, pour ce nouveau weekly vlog. Enfin, je défais mes tresses, enfin, mes... je sais même pas comment appeler ça. Mais de toute façon, il y a des tresses ici en dessous. Je voulais vous montrer la tête. Je crois que ça fait comme 3 mois ou plus que j'ai ces trucs ici sur la tête. Et je suis comme choquée. Je crois que je vous avais déjà dit ici là que moi personnellement, quand je me défrise les cheveux, une chose que je commence à avoir, c'est des je vais pas dire des plaques dans la tête, mais c'est des pellicules. Donc il y a la peau de la tête qui sèche et qui tombe constamment. Donc aujourd'hui, je vais aller me tresser. Enfin, je vais aller faire mes knotless braids. Je voulais juste qu'on défasse ça. Un tout petit peu ensemble, d'accord. Attendez, je vous montre à quoi ça ressemble. Je suis sûre que c'est la 4. Donc là, j'ai juste détaché le. J'ai juste enlevé la. Regardez-moi ça. Ouf. J'ai juste enlevé le tissage qui était au-dessus. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis là, je vais maintenant défaire. J'ai envie de laver avant de partir, mais ça va dépendre du temps que j'aurai. J'espère que ça, là, ce processus-ci, là, ne va pas me prendre beaucoup de temps. Parce que. Que j'ai rendez-vous chez la coiffeuse et elle n'est pas proche de moi, absolument pas. J'ai rendez-vous chez la coiffeuse à 8h30. Là, il est 17h18. Donc, faut que je me dépêche. J'ai préféré mettre ça tôt comme ça. Comme ça, au moins, je peux faire mes autres trucs. Donc, après là-bas, je vais aller chez. Je vais aller où là? Je vais aller chez Super U. Pour acheter une crème de visage que j'ai envie de tester pour vous. Là, j'ai envie de commencer à tester à proprement parler les crèmes visage. Parce que j'ai été un peu frustrée avec la crème de chez Yves Rocher que j'avais acheté là et qui m'a, entre guillemets, bousillé le visage et tout. J'ai été un peu frustrée, donc j'ai un peu back off. Sinon, là, j'ai vu un truc pas mal et c'est moins cher en plus. C'est dans les 2000 et tout. Je vais aller acheter ça. Je vais commencer à tester ça dès ce soir. À la longue, comme vous savez déjà, je vais forcément vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai testé une fois que j'en aurai testé assez, tu vois. Donc, c'est un tout petit peu ça. J'espère que, voilà, vous allez passer un bon moment avec moi, une belle semaine avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis grave active là-bas, Assine super, super active là-bas tous les jours. Donc quand je ne suis pas ici, je suis là-bas. Et si vous êtes abonné à moi là-bas, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter, à partager aussi là-bas, à liker, à voilà, à faire tout ce qu'on fait habituellement ici, quoi. Oui, c'est super important, ça aide, ça booste, ça motive, donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, ça me fait du bien. Hier, on a atteint les 15 000 abonnés sur Instagram, like I am just mind blown. Je sais pas si je vais faire une vidéo sur Instagram parce que je crois que j'ai gagné comme 12 000 abonnés en une semaine et franchement, it is wild. À this point, c'est comme 2000 abonnés tous les jours que je gagne. 1500 à 2000 abonnés tous les jours. Like, it is so wild. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que depuis janvier, je poste tous les jours sur Instagram. Tous les jours. Même si c'est quoi? Même si c'est... Ne serait-ce qu'un petit... Like, je poste tous les jours, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, honnêtement. Ça n'a pas besoin d'être un truc trop travaillé. C'est ce que j'ai compris aussi. Donc voilà, je fais ça comme ça et puis it is working. Bref, donc c'est ça pour ça. Bah c'est tout, je vais juste défaire mes cheveux vite fait. Je crois que je vais les laver aussi. Si j'ai assez de temps, je crois que je vais les laver. Et après on va y aller ensemble, j'espère pouvoir faire un reel. Je suis jamais allée dans le salon là. J'espère que l'éclairage est quand même pas mal là-bas aussi pour que je puisse faire du contenu. You know? Vous savez qu'actuellement là... On ne perd pas une occasion, on ne perd pas une occasion de faire du contenu super important et super rewarding pour le coup, en tout cas pour les personnes que ça intéresse, ok, pour les personnes pour qui ça compte, personnellement ça compte pour moi, donc voilà, je suis super contente d'en être là aujourd'hui sur YouTube, même sur TikTok aussi, j'ai eu pas mal de vidéos virales dernièrement et je suis montée à combien là sur TikTok, je suis montée à on va dire...
suis bientôt à 30 000 sur TikTok aussi. Quand j'ai repris mon compte, là, quand j'ai acheté mon nouveau téléphone, j'étais à 12 000, pareil, vous voyez. Donc voilà quoi, franchement c'est super encourageant. Quand je suis sur les réseaux pendant des années et que rien ne va et que du coup subitement comme ça, la paf, tout le monde et tout, franchement c'est encourageant, c'est satisfaisant, voilà, ça ne peut que réconforter. Et si vous êtes aussi sur les réseaux, franchement je vous encourage, ne baissez pas les bras, continuez. Vraiment continuez à faire ce que vous faites, ou alors commencez à faire ce que les autres font et que vous ne faites pas. Ça va forcément payer. Et une chose aussi que moi j'ai compris, c'est que chaque chose en son temps, hein. Il faut pas toujours regarder la croissance des autres et se décourager, tu vois, ou alors se dire que pourquoi elle et pas moi et tout. Chaque chose en son temps, honnêtement, ça c'est quelque chose que j'ai compris. Je me souviens à l'époque où je me tuais pour faire les vidéos super compliquées, les vidéos qui me prenaient du temps et du temps et du temps. Aujourd'hui, j'adore toujours ces vidéos-là, je pense que je vais probablement refaire, mais j'ai compris que c'est pesant de faire une vidéo comme ça en se disant que ça va prendre et après ça ne prend pas, c'est super décourageant. Et donc voilà, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi mélanger avec les trucs qui sont relativement simples à faire, vraiment relativement simples à faire, faciles à faire, faciles à repartager et tout. Donc en gros c'est ça. Les deux dernières semaines si ont été vraiment, de toutes les façons vous étiez là, vous avez vu. Donc c'est ça, le tournage est fini, c'était super intéressant, vous allez voir. Voilà, c'était fun. De toutes les façons, moi j'adore les plateaux de tournage, c'est quelque chose que j'adore. J'adore cet univers médiatique, j'adore ça. Franchement c'est quelque chose que j'adore, que ce soit derrière la caméra ou devant la caméra. De toutes les façons, je m'amuse toujours dans ces conditions-là, donc c'était vraiment super top. Une très belle équipe, vraiment, on était contre nous les jeunes. Oh, ça fait du bien. Je dis pas que les vieux n'ont pas, voilà, que quand les vieux sont là, c'est pas fun, mais quand on est entre jeunes là, il y a une autre symbiose là, il y a un autre. Regardez. Quand on est entre jeunes, il y a une autre ambiance, il y a une autre symbiose là. Like. Ouais, j'ai juste hâte de livrer tout ce que j'ai à livrer, parce qu'en dehors du maquillage, je faisais aussi des reels, enfin je créais du contenu quoi, tout simplement pour l'émission. Donc j'ai hâte d'entrer dans le laboratoire avec tout ce que j'ai et make magic, you know, create magic. Donc c'est ça pour ça, je vais juste défaire mes cheveux vite fait. Je pense qu'on s'est bien catch up là, je crois, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'on s'est bien catch up, ça va faire environ 8 minutes que je parle. Donc je vais rapidement défaire mes cheveux, je vais aller les laver et puis on va partir ensemble chez la coiffeuse. Ok, j'ai fini. Ouf. Donc je vais rapidement peigner ça, je vais aller laver et me laver aussi du coup. Ensuite, on va y aller. 7h31. Je dois être partie d'ici à 8h plus tard. Oh, ah, je suis contente. Mes cheveux sont en train de pousser, je suis trop contente. Oh my god. Mais par contre, il y a de la casse. Hein? Il y a de la casse là. Il y a de la casse. Aïe. Bon, allez, à tout de suite. J'ai fini, je suis à la bourre. Comme vous vous imaginez bien, il est 8h10 bientôt. J'ai porté ça, c'est un peu ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis ce sac-ci parce que je vais aller au marché après. Ça me rappelle que je n'ai pas pris mon planeur. Il y a le stylo dedans et les post-it. Parce que pendant qu'elle sera en train de me tresser, je vais essayer de noter tout ce que j'ai envie d'acheter au marché. Donc voilà. Pantalon 6, 3 quarts avec mes holsters. Parce que, comme vous savez, je n'aime pas faire les courses avec mes pieds à l'air. Et je vais probablement aller au marché. Donc voilà, on y va, c'est parti. Let's go! Bon. Est-ce que vous pouvez me voir? Je transpire parce que je courais dans l'escalier. Parce que je me suis rendu compte une fois en route que j'avais oublié de prendre ma mèche. Et j'étais en train de revenir en courant. Et puis la coiffeuse m'appelle pour me dire qu'elle ne peut plus me coiffer aujourd'hui parce qu'elle a eu deuil. Vraiment triste, trop triste. Donc du coup on va remettre ça demain. Je vais juste prendre le temps de me poser, de reprendre mes esprits,
de noter tout ce que j'ai envie d'acheter au marché et puis je vais ressortir pour aller au marché et j'ai super eu. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai fait quelques petites courses là et tout. Je suis rentrée, j'ai fait la cuisine. J'ai pas filmé ici parce que c'est des trucs que j'ai déjà filmé ici et que je voulais filmer un reel pour Instagram. So yeah. Là, je suis en train de partir. Je suis déjà en retard là, avec mon rendez-vous. C'est dans 5 minutes et c'est bien loin de moi. Donc voilà ce que j'ai porté. Air Force, petit collant, petit top comme ça. Et voilà. J'imagine que ça va être rapide. Donc vraiment, je cours. J'ai rien fait sur mon visage. J'ai juste appliqué les produits que j'ai achetés hier là. Et je vous en reparlerai, of course. Ok? Ok. So. Je viens d'aller au salon. Je suis en train de tirer la mèche. On va bientôt commencer. Ça là, ça. Je vais saver le chocolat. Tu veux me filmer ça, non? Non, ne te filme pas. Okay. Et il y a le... Planète Grenadine. Planète Grenadine, oui. Ok guys, c'est la pause. Je sens déjà comment la chaleur me touche avec les tresses. On n'a même pas encore fini. La chaleur me touche déjà. Bref, elle voulait prendre son petit déjeuner parce qu'elle est arrivée, elle n'avait pas encore mangé. Du coup moi aussi j'ai pris de quoi m'intoxiquer. Ok. J'ai pris un chocolat, un gâteau chocolat chez Magida. It's my favorite. Le gâteau chocolat de la maison n'a pas le même goût que le gâteau chocolat du Magida. Honnêtement, je ne sais pas si je suis la seule, mais franchement, voilà. Allez discuter avec qui vous voulez, ça n'a pas le même goût. Donc j'ai pris gâteau chocolat et le jus, je vais manger au calme en attendant qu'elle revienne pour continuer. Ouais. Yeah. Ma première fois de boire ça. Je sais pas ce que j'en pense. Mais bon, bref. Instagram, c'est la folie. Hein. C'est la folie du dernier. On est à 18,3 000. Déjà. Crazy. Hey guys, donc je viens de rentrer. Il n'y avait pas l'électricité là-bas dans le salon là. Du coup, là je suis en train de chauffer l'eau pour pouvoir faire les bouts moi-même. Ok. Mais sinon, elle a bien tressé. Est-ce que je vous ai déjà montré? Non, j'étais plutôt en train de filmer sur mon téléphone. Donc, elle a bien tressé, c'est ok, mais il faut que je m'occupe des bouts. C'est un peu chiant, mais bon, bref. C'était soit je rentrais faire ça à la maison, soit j'attendais jusqu'à l'infini. Parce qu'on ne sait pas généralement à quelle heure le courant revient. So yeah. J'espère seulement que je ne vais pas me brûler dans le processus. Ok guys, donc voici mon eau bouillante. Je vais la mettre ici. J'espère vraiment que je ne vais pas me brûler. Ok. Je vais chercher mon miroir. Si vous me demandez ce que je fais avec le chapeau, c'est sur la tête. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Bon, there we go. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai même pas envie de toucher ça avec mes mains donc. On va mettre ça comme ça. Direct. Hey, Seigneur, si je ne dème ça vraiment, je serais trop énervée. Je pense que là tout est dedans. Oh, oh la vapeur. Je pense que là tout est dedans. Je récupère ma serviette. Comme ça. Oh,
Ouais. Ah, c'est bon. Je crois que c'est bon. J'espère vraiment que ça a pris. Je vérifie d'abord. Ouh! Ok. Ouais, c'est bon. Mais ça m'énerve parce que les bouts. Moi, je ne sais jamais gérer les bouts-ci. Je ne sais pas gérer ça correctement. Du coup, ça fait toujours les. Ça devient toujours un genre là. Ça, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Ça là. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Je lui ai dit, je ne veux pas les boucles qui ressemblent aux petits bouchons. Je ne veux pas ça. Ça là, la touffe-ci que ça fait souvent ici là, moi, je ne veux pas ça. Je voulais un truc qui est comme ça. Simple, naturel. Je ne voulais pas une touffe comme ça là à la fin de mes tresses. Voilà, c'est exactement ce que j'ai eu. Wow. Bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. C'est pas mal en soi. C'est juste que je voulais pas les boucles aussi. Ok, donc voilà. La coiffeuse, elle a bien réussi ça. C'est bien plat comme j'aime. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est bien plat comme j'aime. Voilà. Et puis, là, comme elle vient de tresser ça là, directement, je peux mettre ça de côté comme ça, sans douleur vraiment. Sans douleur et sans tension, quoi que ce soit. Donc voilà. C'est top, ça va. Juste que je voulais pas les tire-bouchons, mais ça va. Honnêtement, ça va, c'est gérable. Donc je vous mets son numéro là sur l'écran ou en bas de description. De toutes les façons, si ça vous intéresse. Et que je n'ai pas pu mettre parce que flemme peut-être. Écrivez-moi sur Instagram, je vais vous donner ça. Ok, je dois sortir tout à l'heure avec des amis. J'ai pas le temps de dire. Je dois sortir tout à l'heure avec des amis et on va s'apprêter. Peut-être pas ensemble, mais de toutes les façons, je vous montre, je vous reprends avant de partir. Le rendez-vous c'est à 19h30. Là, il est 16h passé. Bon, j'ai juste le temps de peut-être me maquiller en faisant peut-être un TikTok. Donc, on se dit à tout à l'heure. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, So, je suis toujours à la maison, je suis prête. Et net quand j'étais sur le point de sortir, on m'appelle pour me dire que en fait je suis trop en retard. Et et que ça vaut plus la peine en fait que je vienne quoi. Donc voilà, je suis restée chez moi, je me suis maquillée pour rien. Ok. Dans tous les cas, je pense que je pourrais pas sortir avant 3 semaines. Parce qu'à partir de demain là, j'entre en stage bloqué. Stage bloqué parce que toutes les images que j'ai prises là pendant le tournage, il va falloir que je me concentre pour les monter et pour en faire quelque chose de bien. Donc comme je vous disais pendant le tournage, j'étais non seulement la maquilleuse mais également la personne qui prenait les images behind the scenes. Donc à partir de demain là, stage bloqué. Mais bon bref, c'est pas grave. Hey guys, bonjour, c'est le matin déjà. Alors aujourd'hui c'est le grand ménage, comme j'étais en train de vous dire hier. C'est le grand ménage, mon visage est mouillé parce que je suis en train de faire un test là. Je suis en train de tester quelque chose. Vous voyez, j'ai eu des boutons. Franchement, les boutons aussi, honnêtement, je sais pas si c'est dû au stress. Franchement, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, bref. Voilà. Et comme vous savez déjà, mon visage garde grave les taches. De toute façon, si vous avez un sérum anti-taches, parce que pour les boutons, même encore, ça passe. Parce que j'ai pas les boutons tout le temps. Tu vois, j'ai les boutons ça et là de temps en temps. Mais le problème, c'est que ça, ma peau garde les taches. Donc, je pense que ce que je dois tacler là maintenant, là. C'est quelque chose contre les taches. Peut-être aussi quelque chose contre les boutons, mais qu'on applique là localement et tout. Donc hier, je me suis démaquillée, j'ai pas enlevé mes cils. C'est ce que j'aime bien faire ces derniers temps. Je me démaquille, j'enlève pas mes cils, je garde mes cils quelques temps. Donc là, je suis en train de tester quelque chose. J'attends que mon visage sèche pour continuer ma skincare avant de me plonger dans le ménage, la lessive. Ouais, les deux trucs là, parce que j'ai déjà fait la cuisine. Ménage, lessive. Donc, ménage dans toute la maison, salle de bain. Toile d'araignée, poussière et tout ce qui va avec. Et la lessive.
contre, pour les habits blancs, je sais pas, je crois que je vais le faire le week-end. Parce que oui, dimanche. Ouais, non, ou lundi prochain. Bref, je vais faire les blancs après parce que il faut que je récupère le Javel chez ma mère. Ma mère a une marque de produits d'entretien, si je peux dire ça comme ça. Là, on a lancé avec le Javel. La Javel, autant pour moi, ouais, la Javel. Donc, si vous avez besoin de Javel, je vais vous mettre le numéro là sur l'écran. Si vous voulez être livré, si vous voulez passer récupérer, franchement, it's up to you. Je vous mets le numéro là sur l'écran, vraiment super top, super 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 efficace. Donc, je vais continuer avec ma skincare et on va se parler tout à l'heure. Je ne vous ai peut-être pas montré dernièrement, enfin oui je vous ai montré, je crois que vous avez vu, j'ai acheté ce truc-ci. Ce truc-ci, j'ai l'impression que c'est top. Depuis que j'utilise ça, ma peau est comme, il y a comme une sensation de souplesse. Je ne sais pas comment expliquer ça, franchement j'ai l'impression que c'est bien. Par contre, ça là, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit que c'est pas bien. Une seule personne, c'est toutes les personnes qui ont répondu. Toutes les personnes qui ont répondu m'ont dit que c'est bien et tout. Et pour moi, je trouve que ça peut être bien aussi pour le visage parce qu'ils ont dit que c'est à l'huile de jojoba. Vous savez que l'huile de jojoba, c'est la meilleure huile pour le visage. Du moins, c'est ce que moi je sais. Et puis, c'est un bon petit truc pour garder dans son sac à main. De toute façon, moi, depuis que j'ai ça, ça ne bouge plus de mon sac à main. Parce que c'est pour les mains aussi, pour le corps. Donc à tout moment, quand tu as besoin d'hydrater une partie de ton corps, tu peux rapidement utiliser ça. Et puis c'est cute. Je trouve ça trop cute. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve ça trop cute. Et j'ai un truc avec les petites boîtes, honnêtement. Les petites boîtes et moi, et les effets. Donc voilà, j'adore. Donc du coup, petit à petit, doucement mais sûrement, je suis en train de constituer ma petite trousse de skincare. Et j'adore. Ça là, j'ai plus acheté ça pour le côté démaquillant. Mais par contre, franchement, je sais pas à quel moment utiliser ça, avant ou après la lotion tonique. Ou alors, je dois choisir parce que ça, c'est une lotion tonique. Et ça là, ça nettoie, ça démaquille, ça hydrate. Je vais utiliser ça d'abord, vu que ça joue le rôle de démaquillant. Je mets ça d'abord avant de mettre ma lotion. J'espère que c'est comme ça que ça marche. Franchement, vous allez m'excuser. Mais s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà utilisé ça, n'hésitez pas à partager avec moi comment est-ce que vous gérez, ok? Parce que j'ai l'impression que si je mets ça, ce qui est censé hydrater et tout, et puis je mets la lotion tonique après, j'ai l'impression que c'est du gâchis. Bref, franchement, je sais pas. Mais la sensation sur la peau est super top. Je sais pas si vous pouvez voir que ça fait comme... c'est un peu savonneux, quoi. Enfin, ça mousse un peu. Maintenant qu'on dit que c'est inutile de rincer là, I don't know. Et bon, bref, j'essaie de respecter les consignes d'utilisation au max. Tu vois comment ça mousse un peu. Vous savez ce qui me plaît à chaque fois que j'achète un produit, soit pharmaceutique, soit importé. Ce qui me plaît, la chose qui me plaît, c'est que ce qu'on dit dessus, c'est exactement ça. Like, ils t'ont dit conçu pour ses propriétés, connu pour ses propriétés hydratantes. Et j'avais même pas encore, honnêtement, j'avais pas encore prêté attention au truc là avant de vous parler. Et en vitamine C, cette formule donne un effet frais. Et la peau est visiblement plus souple. C'est exactement ce que je ressens depuis que j'utilise ça. Même quand je lavais mon visage là tout à l'heure, là, je sentais comment ma peau était super souple. Actif d'origine végétale connu pour sa capacité à assouplir et hydrater la peau en retenant l'eau dans l'épiderme. C'est exactement ça. Donc là, ça a séché. Maintenant, normalement, la lotion, si je pense que ce que je dois faire, vu que j'ai déjà appliqué ceci, c'est que je dois juste asperger. Il va falloir que j'achète les petits shit là qu'on vend. Je vois souvent à Carrefour Market. Je pense que c'est plus efficace en fait. Quand tu dois mettre plusieurs produits comme ça, je pense que c'est plus efficace de prendre les shit là. Je me dis, dites-moi ce que vous en pensez. On va faire à Carrefour Market dans les petits sachets de 3 comme ça. Je crois que je vais prendre un. Parce que là maintenant, vu que j'ai pas envie d'enlever le produit que j'ai mis précédemment, je tapote comme ça. Ma peau est vraiment super belle ces jours-ci. I like it. Malgré les boutons et les taches. Enfin, malgré les taches, parce que là, il n'y a pas de boutons. C'est juste les taches qui sont là. Yeah, there we go. Donc je vais laisser comme ça que ça sèche. Ensuite, je vais mettre de la crème hydratante. La crème hydratante, si je l'ai utilisée tous les jours depuis que je l'ai. J'observe encore. Normalement, moi, quand une crème hydratante ne va pas, ça m'élargit les pores, ça me ternit la peau. Donc, généralement, c'est au bout de 3 jours que ça fait ça. Donc, si au bout de 3 jours, je n'ai pas cet effet avec ce truc-ci, je vais comprendre que c'est une bonne crème. Et je vais mettre ça dans ma liste des crèmes favorites. Et je vais chercher une nouvelle crème à tester. C'est toute ma vie, ça. Ça, je mets juste un peu, parce que vu qu'il y a une personne qui m'a dit que ça ne fonctionnait pas bien, là, j'essaie de doser, quoi. Donc, je mets juste un peu. Like here. Voilà tout ce que je vais appliquer. Ça c'est fait. Maintenant on passe
à l'écran sous l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas l'intention de sortir d'ici, mais je mets quand même parce qu'il y a pas mal de lumière qui entre ici chez moi. Dieu merci. Il y a des gens qui m'avaient demandé ce que j'en pense. Franchement, je trouve ça bien. Si vous voulez acheter ça, allez-y. Ça n'a pas de problème, ça n'a pas de souci. Moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ici là que ça lui donnait les boutons, mais moi personnellement, ça va. Je trouve souvent ma peau un peu grasse après avoir appliqué ça, mais franchement, ça va, ok, ça va. Ça va, c'est pas gênant pour moi en tout cas. Maintenant, si ça va plus gênant, je sais pas. Donc voilà, skincare terminé. On est bien shiny et tacky. Et voilà, maintenant je vais aller faire ma lessive. Je mets les habits à laver, je lave le sol direct. Là, je ne veux même pas perdre de temps là où je suis là. Je me suis levée vers 4 heures et puis je me suis dit non, c'est pas possible. Si je me lève à l'heure, si je pourrais pas travailler comme il se doit. Il faut que je dorme encore et puis je me suis rendormie. Je me suis levée à 8 heures. Donc voilà. Et en passant, on a atteint les 20 000 et plus sur Instagram. I am so so shocked. Like, merci. Si vous êtes ici et que vous m'avez rejoint sur Instagram, franchement, merci. Vous savez pas ce que ça signifie pour moi. C'est magique. Just magic, ok? Ok. Donc, j'y vais. I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away my love. So don't give away my love. And another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. Je suis en train d'aller à un brunch. Donc je vais vous montrer ma tenue directement pendant que je termine mon getting ready. Donc c'est ça et ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir le trépied. Si, j'ai l'impression qu'il n'est pas très assez grand. Là, je défais mes cheveux. J'ai attaché ça juste pour les baby hair. Là, je vais compléter mon make-up. Donc voilà de quoi il s'agit. J'espère que c'est pas trop noir, franchement. C'est ce que j'ai trouvé. Je voulais pas trop réfléchir. Et puis je trouve que ça va. Je trouve que ça match pour l'occasion. Je vous dis que ça match. Avec ce sexy pour casser un tout petit peu le blackness de ma tenue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que ça va. Like this. I think it's okay. And make you smile at every word I wrote. What that make you wanna change your scene? And wanna be the one on my team? See, what's the point in waiting anymore? Cause girl, I've never been more sure. Hey guys, j'arrive pas à croire que je suis arrivée au Crystal Palace et j'ai pas vlogué. Bref, whatever. Donc comme vous pouvez constater, je suis rentrée, je suis allée chercher Malika. Petite, comment je vais dire, review sur le Crystal. C'était bien, franchement c'est un bel endroit. Le personnel est super chaleureux, super accueillant. J'ai beaucoup aimé. La bouffe est super bonne par contre, super bonne. J'aurais aimé voir aussi l'extérieur, mais il faisait tellement chaud là-bas que nous on a décidé de rester seulement à l'intérieur. Mais voilà, j'imagine que vous connaissez déjà, piscine, machin et tout. Et puis il y avait le piano bar, il y avait des chanteurs qui étaient en train de chanter là dehors et tout. Donc c'était bien, on a bien mangé. Je suis rentrée, je suis allée chercher Malika. Là je sors de chez ma soeur. Donc j'étais en train de vous dire ici là dernièrement, attendez, je vais vous mount. Donc j'étais en train de vous dire dernièrement que ma mère fabrique le Javel. Franchement c'est de la bonne qualité, hein. Si vous voulez commander, n'hésitez pas, vraiment je vous encourage. J'ai pris ma partisée. Donc c'est à ça que ça ressemble. Très bientôt vous allez retrouver ça dans vos petits supermarchés ici sur Douala et Yaoundé. Super efficace, franchement super efficace. Ça c'est 700. Et puis ça. Donc il y a les 5 litres et les 1 litre pour l'instant. Si vous voulez commander, foncez. Je vais vous mettre la fiche, même les numéros ici sur l'écran pour que vous puissiez commander. Par contre, voilà, comme d'habitude, ma soeur m'a gâtée. Ça, c'est 1 litre d'huile qu'elle m'a donné. 1 litre d'huile rouge. 1 litre d'huile raffinée.
on adore du pain. C'est un pain parce que comme j'ai pas de pain ici là, et pour demain matin là, je savais pas trop comment j'allais faire. Je lui ai demandé si elle peut me donner un pain. Elle m'a donné du tapioca. Elle m'a donné aussi du héros du coup, parce qu'elle va préparer le héros chez elle aujourd'hui. Et ça c'est du plantain. Ayez les sœurs que vous méritez, oh. Ayez les sœurs que vous méritez, oh. Donc c'est ça pour ça, je vais profiter pour clôturer le vlog ici. Je vais essayer de m'apprêter un peu pour demain. Je suis quand même un peu fatiguée, sachant que je me suis levée super tôt pour travailler un peu. Donc là je suis quand même un peu fatiguée. Donc c'est ça pour ça, j'espère que vous avez aimé le vlog malgré tout. Ok, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, all that good stuff. Venez me rejoindre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, on est actif là-bas aussi, on grandit là-bas aussi, ok? À l'heure où je vous parle, on est à 25 000, like crazy, crazy, on adore, franchement on adore, le travail finit toujours par payer, I'm so 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 happy. Quoi d'autre encore? Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, activez également la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Ok, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.